détourne le sujet. Non, c'est ce que j'ai dit, moi. Non, là, je me cantonne à Internet. Des propos que j'ai jamais tenus, tu vois. Je me cantonne à Internet. Bah, tu te trompes, Edoui, sors-moi, ne serait-ce qu'une étude qui valide ce que tu en racontes. Voilà. Une seule étude qui dit, ah bah oui, sur Internet. Mais attends, mais tu te fous de moi, mais sors-moi une étude qui dit ça. Le harcèlement sur Internet, c'est plus des groupes d'incels ou de gamers ou de gens lambda, façon de parler, qui n'ont rien à voir avec les débats religieux, que les débats religieux, ce que vous racontez. Même Afshi, c'est niche. On parle de niche. Afshi, elle avait 1 million d'abonnés, mon gars. Mais c'est quoi? Tu racontes une niche, frère. 1 million, une niche. Non, mais putain. Mais oui, ça reste une niche. Vous êtes des malades, vous connaissez rien, vous connaissez rien au réseau, mais 1 million d'abonnés sur TikTok, okay, alors c'est rien, c'est peanuts, les copains, vous êtes des malades. Joclo, je suis prêt à admettre. Joclo, je suis prêt à admettre que j'ai tort. Sors-moi les tubes. Alors nous, dans ce cas, on n'est même pas des microbes. Alors mais moi, je dis pas qu'il y a des études qui affirment qu'il y a des populations qui sont suivies. Dans ce cas, Joclo, tourne la question. Attends, Edoui, dans ce cas, sur le harcèlement, on sait que ça vise plutôt des femmes et effectivement, la plupart des gamers. Et là-dessus, t'auras 10 000 d'abonnés. Tu dis c'est rien, 1 million d'abonnés en ligne. Tu verras les affaires, c'est plutôt des histoires comme ça. C'est rien, 1 million d'abonnés. Regarde tous les commentaires en fait qu'elle s'est pris. Mais même enfin, sur YouTube, c'est rien. Les attaques personnelles et les menaces de mort et oui, tout ça. Oui, mais bien sûr, mais tout le monde en a. Moi, j'en ai. Mais tu crois que, enfin, à un moment donné, vous arrêtez. C'est Internet. Mais en fait, je crois que tu comprends pas le terme de surreprésentation, surtout. Le royaume de la connerie, les copains. Tu comprends pas le terme de surreprésentation, en fait. Enfin, c'est quand même fou. Est-ce que le terme surreprésentation, ça te parle? Ah là 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 là. Allô, est-ce que ça te parle? Oui, ça me parle, monsieur. Ouvre un live qui critique le christianisme. Ouvre un live qui critique l'islam et tu verras. Le judaïsme, etc. Et oui, oui, fais les trois grandes religions. Fais les trois grandes religions monothéistes. Dans toutes les religions, je te le garantis. En fait, tu comprends. En fait, c'est ça que j'entends pas. Tu ne comprends pas, je crois. En fait, Joclo, on n'est pas en train d'essentialiser. Par exemple, je donne un vrai exemple. J'ai jamais été autant emmerdé que par des catholiques plutôt que des musulmans. Tu vois, bizarrement. Non, mais c'est pas une blague. Mais c'est pas une blague, c'est comme ça. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, je m'en fous. Mais c'est pas un drame. Ils t'ont pris ta gueule comme ça. Ils l'ont mis sur un live. Ils ont dit, lui, va falloir qu'on aille le chercher, s'occuper de lui et sortir des vieux dossiers sur toi. Personne fait de live comme ça sur TikTok en disant, mais tu rigoles ou quoi? Mais tu fous de notre gueule ou quoi, Joclo? Mais n'importe quoi. Combien de lives avec ta gueule affichée? Adéla, à la limite, oui. Rigole. C'est différent. Parce que là, il y a un acte de minivance. Vous, jamais. Mais tu sais très bien qu'ils s'amusent. Mais les musulmans, ils t'ont affiché, ils ont mis ta photo. Est-ce que les catholiques, ils ont fait ça avec toi? Non. Ils ont mis ma photo, super, je suis un personnage public, est-ce que je m'en bats les couilles? Arrêtez de paniquer, vous êtes des... Oh là là. Mais on panique pas, mais attends. C'est Internet, vous connaissez pas Internet, on dirait, quoi. Vous découvrez le monde d'Internet, quoi. Le joyeux monde d'Internet où les gens, si jamais tu dis une connerie qui leur plaît pas, ils vont te ficher à la gueule. Enfin, il n'y a rien de nouveau, en fait, sous le soleil. Vous êtes des malades. Mais qui a dit qu'il y avait quoi que ce soit? On dirait des boomers, là, qui découvrent Internet. C'est un monde qui fait peur. Bonjour, mais c'est pas des hommes de paille, c'est la réalité, gros. Là, j'ai travaillé sur tout le soleil. Mais qui a dit que c'était nouveau? De l'été dernier. Là, c'était que des petits blancs, des petits français qui faisaient ça. Il y en a même qui chantaient à la Wattbach, oui, très bien, des chansons d'été islamiques. Donc il y avait des musulmans dedans, mais il y avait beaucoup de blancs. Et effectivement, à ce moment-là, les plus gros coups n'étaient pas faits par des musulmans. Et pourtant, moi j'ai les recs, moi j'ai les témoignages de ces gens-là, tu les as pas. Moi j'ai les datas sur ma propre chaîne. On parle de confession religieuse, on parle pas de race ou de couleur, mais t'es sérieux? Bonjour, messieurs, dames. C'est comme les musulmans, là, t'es en train de dire. Les blancs ne sont pas des petits musulmans. Ils sont musulmans, mon gars, donc ils ont le virus dans le cerveau. Mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Mais tu me dis c'est Allah Akbar. Tu sais même pas de quoi on parle. Mais okay. Parce qu'il y en a un dans le tas qui dit Allah Akbar, il y en a un qui est musulman, tout le reste c'est des petits blancs. Voilà, mais moi je parlais de lui, je parlais quand même. Oui, bah super, tu vas prendre le seul unique pour dire que c'est tout ça. Mais ton délire, j'ai reçu tout un groupe de docteurs, swatteurs, la plupart c'est des gamins. Tu es obligé d'employer des sophismes pour te donner raison. Oui, si jamais tu n'es pas capable d'entendre des arguments, que tu n'as rien à dire. Moi, je t'invite à regarder même les vidéos sur le swatting d'Astérion, etc. Le swatting de la Tour Eiffel, d'accord? Le canular de la Tour Eiffel et en même temps des gares qui ont été faites cet été. J'ai les enregistrements, d'accord? Viens me dire que c'est que des musulmans qui font ce genre de truc. C'est faux. Et donc là, on est sur la sphère Internet. Mais quel homme de paille? Toi, tu fais un homme de paille en disant sur nos lives TikTok, on parle de l'islam et des musulmans qui se plaignent et qui nous doxent. Mais c'est logique. C'est idiot. Hein, ouais, c'est comme quand Soral parle des juifs, ouais, oui, il y a des juifs qui le doxent. Bravo et ouin, c'est logique. Mais si demain tu fais parler avec des cathos, tu te feras doxer par des cathos. Ouais, sort de super, boucle, incroyable. Mais quel génie. C'est logique, tu te fais des ennemis, c'est ces ennemis qui te doxent. C'est logique. Non mais c'est idiot. À un moment donné, je parle avec des imbéciles.
Incroyable. L'autre qui parle toujours en même temps, là, ouin ouin, qui est incapable de se taire quand on lui parle. Et après, on devrait l'écouter dire des conneries. C'est quand même fou. Oh, le stérique, tu peux te calmer un peu, là, le petit stérique, ça te dit de te calmer un peu. Ce qu'il veut, Al-Salib, il veut encore un petit peu. Ça te dit de te calmer un peu, juste. Attends, oui, c'est bon, on est tous calmes, là, tranquille. Bagarre, est-ce que tu nous as entendu dire qu'il n'y avait que les musulmans qui faisaient ça? Excusez-moi, je peux intervenir, je suis musulman. C'est ah, je croyais que c'était bagarre au début. Bagarre, tu vois, tu défends aussi les propos, tu vois. L'homme de parce que j'ai pas compris. Là, allez, là ça, ça parle pas de l'islam, ça parle de la justice. L'injustice pour ou contre la peine de mort. Pourquoi vous rentrez les musulmans dans tout? Non, non, mais ça, c'est après, vous rentrez les musulmans dans tout. Non, j'ai suivi, mais à la fin, ça rentre dans l'islam. Ça rentre dans les musulmans, ça rentre dans ça. Mais parle de la peine de mort, mon ami. Non, t'as pas suivi. Tous vos lives, ils bifurquent sur l'islam. Est-ce que, ok, ça marche. C'est-à-dire, est-ce que l'islam, il est pour la peine de mort ou contre la peine de mort? Non, attends, attends, juste deux secondes. C'est-à-dire, là, en fait, le sujet... Hein. C'est-à-dire, là, ce dont on parlait à l'oral n'avait pas de rapport avec l'image que t'as sur le live. Il n'y avait pas de rapport. Il n'y avait pas d'image. Oula. C'est la loi. Il y a des choses à dire, Zurklo. Ouais, 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 j'attends que tu parles de LGBT un petit peu. T'as quoi à dire? Voilà, parle LGBT, oh, parle de peine de mort. Ah non, 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 j'attends que tu parles. Non, mais t'es pas dans l'islam. Non, mais dis-moi ça, tu essentialises. Calme-toi, c'est-à-dire. Je crois que, et Louis, il a pas dit ça, que dans tout manifestation, toute dégradation qu'il y a dans le pays, ce sont les musulmans. Mais voilà. Il n'a pas dit ça. Mais quand toi tu dis comme ça que oui, il y a des manifestations. Voilà, c'est la surreprésentation dans. Mais voilà, tu fais de la sur. Voilà. Exactement. Dans le fait de taper voilà, sur la ceinture. Légalement, en fait, on peut pas le dire, mais voilà. Mais tu sais, attends, excuse-moi, Zurklo, en fait, je vais t'expliquer pourquoi on parle de surreprésentation. Ah là là. Quand tu as une population qui représente moins de 10% du peuple, ok, de la nation totale, et qu'en fait, ils sont représentés dans ces actes-là. De ta façon de voir la surreprésentation ethnique, ou je ne sais quoi, je m'en fiche. Je t'avoue, Mais qui a parlé d'ethnie? C'est un sujet plus intéressant. Qui a parlé d'ethnie? On parlait pas de ça à la base. Zurklo, faut que tu arrêtes d'employer des sophismes pour te donner raison. Faut que tu arrêtes ça. J'ai pas envie de t'écouter déblatérer pendant 10 minutes pour croire que justement tu as raison de je ne sais quoi. Mais casse-toi, qui vient d'imposer une loi pour faire ce que tu as envie. Mais tu vas écouter la personne. C'est Zurklo. Mais quel Zurklo est dingue, le gars. C'est incroyable. Toujours inaudible. Et Wawin qui hurle, on a l'habitude des deux débiles. Hein. Mais le petit enfant gâté, t'es pas chez ta maman, mon petit enfant gâté. Oh, ici, que ça te plaise ou ça te plaise pas. Quand c'est la personne, quand c'est Edwin à parler, tu vas l'écouter, que ça te plaise ou pas. Ouais, mais pas d'attaque personnelle non plus, tu vois, parce que ça va pas aider. C'est simple. On va l'écouter, oh oui. Bon, vas-y, monsieur Edwin, tu peux commencer avec ce que t'avais à dire. Mais j'ai dit ce que j'avais à dire, en fait. Et si lui veut entendre une essentialisation, une stigmatisation, et un amalgame, fais-le, Zurklo. Grand bien te fasse. Le moindre argument. Grand bien te fasse. En train d'hurler en disant mais c'est pas vrai. C'est pour toi de parler de ce que je t'ai dit. T'en sais rien. C'est extrêmement simple. Ça rien discuter avec toi. C'est insupportable. Zurklo, c'est extrêmement simple. À défaut d'avoir un mauvais micro, là t'as un nouveau micro qui fonctionne bien. J'ai pas un nouveau micro. J'ai juste pas d'écouteurs. Je suis chez moi. Je suis en pause. Ferme ta gueule ou arrête d'hurler tout le temps. C'est insupportable. Je te jure. Je ne pense pas. Le mec qui hurle le plus, il a besoin de n'avoir pas. Attends, s'il te plaît, parce que de toute façon, ce n'est pas possible. Deux secondes. Donc voilà. Zurklo, est-ce que tu fais la différence? J'ai juste petite question. Ouais, tu boucles en fait, mais tu boucles. Zurklo, est-ce que tu fais. Oui, bon, bah. Est-ce que tu fais la différence entre surreprésentation et essentialisation? Oui, je fais la différence, mais ça n'a rien à voir. Du coup, ce n'est pas du tout la même chose. On est d'accord, c'est pas du tout la même chose. La surreprésentation et l'essentialisation ne sont pas du tout deux concepts qui peuvent s'accoler. Hein, on est bien d'accord. Par contre, tu peux essentialiser pensant que la surreprésentation représente quelque chose que toi tu essentialises. Tu vois. Là, par contre, ça c'est possible. Et c'est exactement ce qui peut se passer dans le débat. Non, mais tu vois, la psychologie de comptoir, c'est pas possible. C'est pas de la psychologie, c'est pas parce que tu comprends rien et que t'es à trop con pour comprendre un concept qui s'articule autour d'un autre que malheureusement c'est de la psychologie de comptoir. De quoi tu parles? La psychologie, c'est pas ça. Je t'ai pas dit, oh, t'es fou, du coup tu accoles des concepts parce que tu es complètement fou. Je t'ai pas dit ça. Je t'ai pas dit, oh, t'as peur, ou je sais pas quoi, ça c'est de la psychiatrisation. Qu'est-ce que tu racontes? Mais je ne prête pas d'attention. Je dis que si tu accoles à un concept
de l'essentialisation par rapport à ce concept justement des minorités qui seraient surreprésentées, et ben de fait, oui, ça c'est possible. Mais les deux concepts, en principe, n'ont rien à voir. C'est tout ce que je te dis. Si toi, tu le prends pour toi et que tu te sens visé, c'est ton problème, Edoui. D'accord ? C'est ton problème d'ego qui pense qu'on parle que de lui. D'accord ? C'est tout. Okay. Merci. Quelle essentialisation j'ai fait, s'il te plaît ? Mais je te parle pas de toi, je dis dans le débat. Est-ce que tu es le débat ? Est-ce que tu t'appelles le débat ? Est-ce que tu t'appelles le débat, Edoui ? Est-ce que tu t'appelles le débat ? Est-ce que tu es le débat, Edoui Plenel ? Est-ce que tu es le centre de la discussion, Edoui Plenel ? Non. D'accord ? C'est un débat entre plusieurs personnes et plusieurs choses ont été apportées comme argument, dont ceux de John Champagne, à qui d'ailleurs tu as dit toi-même. Ah si, si, quand même, on va essayer d'être honnête, ce n'est pas que d'islam que tu parles, etc. Faudrait quand même se le dire. Oui, donc, de fait, je suis d'accord pour parler d'une petite tendance à essentialiser. Si ce n'est pas vrai, dans ce cas-là, pourquoi avoir fait cette remarque Non, en fait, tu es prompt à le reconnaître un minimum. Ok, donc, je vais de fait, maintenant, tu n'es pas le débat, et ce n'est pas à toi que je parle directement. Je parle à tout le panel, et de manière générale. Voilà, Edoui, point, point. Donc maintenant, arrête de couper tout le temps en disant on a compris. Oui, madame, on s'en fout. Merci. Al-Salib, je te sens, tu trépines d'impatience. Vas-y. Non. Pourquoi tu t'adresses à moi ? Deux secondes. Parce que tu ne vaux pas mieux, mais je pense que t'as besoin d'un autographe. Qui sera là pour combler un peu. Quelle essentialisation ? T'as besoin d'un autographe, Zirglo ? Est au centre des débats. Voilà, aucune. Merci. Voilà, quand une minorité est au centre des débats au quotidien, c'est qu'il y a un réel souci. Merci. Non, je suis pas dans l'essentialisation. Je ne débat pas avec des idiots, donc je conclue le débat simplement, par aucune. C'est utile, simplement, j'ai pas peur, en fait, de... comment on pourrait dire ça ? De dire des choses factuelles, à savoir que oui, il y a une surreprésentation dans les prisons d'une certaine partie de la population, d'une certaine confession. Effectivement. Après, comment on peut interpréter ça ? Est-ce qu'il y a un lien de cause à effet ? Est-ce qu'il y a un lien de cause à effet ? Ça, c'est un autre sujet. Les prisons, il n'y a pas de... Tu peux te taire quand il y a quelqu'un d'autre qui parle, mec. T'es pas le centre du débat, t'es pas le haut du débat. Tu peux te taire quand quelqu'un d'autre parle, s'il te plaît, mec. Montre-nous un peu de civisme de ta part, s'il te plaît. Mais ferme ta gueule. Montre-nous du civisme de ta part quand quelqu'un parle, tais-toi. Tu n'as aucune éducation. C'est pas possible. C'est parti. C'est toujours pareil avec ces mecs, les gars. Pourquoi vous le faites monter, ces mecs ? Vous n'arrivez jamais à dire deux phrases à la suite avec ces gars. Jamais. Ah, c'est sûr. C'est ça, Zirglo. Donc voilà, le fait de décrire une réalité. Franchement, on va faire la vérité. C'est même impossible, putain. C'est grave, cette personne. Zirglo, le fait de décrire une réalité, c'est pas essentialisé. C'est pas vrai ce que tu dis. Zirglo, arrête de leur couper sans arrêt la parole. Pire. T'es chiant, pire hein, que les muslims. Voilà. Oui, mais t'es pas mieux, toi aussi. C'est plus fort que lui. Mais quel que lui, c'est comme ça. Mais c'est pas possible. C'est dans sa nature. Pas mieux. Moi, je dis, c'est pire. Vous êtes pire en débat. Voilà. Exactement, Cécile. Elle a tout à fait raison. Mais tu fais partie du fait. Ah, bah oui. Cécile, sœur. Attends, tu parles en même temps. Arrête, elle parle, Cécile. Pourquoi tu dis qu'on est pire alors qu'on laisse la parole, Cécile ? C'est pas vrai. C'est lui, là, qui est pire. C'est lui qui est pire, entre guillemets. Regarde ce qu'il fait depuis tout à l'heure. Vous mettre dans l'eau, s'il te plaît, Cécile. Vous êtes les pires, voilà, les pires d'Internet, voilà, les pires du monde entier. Putain, c'est pas possible, c'est cette personne. C'est pas ce que je dis, hein, Waouh. Moi, je le dis. T'as quoi ton problème, Zirglo ? Vas-y, raconte-nous, c'est quoi ton petit problème dans ta vie, Zirglo ? Qu'est-ce qui t'empêche d'avoir du civisme et de respecter les gens, Zirglo ? Qu'est-ce qui t'empêche ? C'est simple, hein. Je vais vous descendre. Avoir un mec comme Al-Salib qui veut absolument me rentrer dedans, par exemple. Te rentrer dedans ? Je veux que tu te taises, c'est tout, pour que les autres personnes puissent parler, c'est tout. On l'a bien compris les dernières fois où tu as essayé de débattre avec moi, tu ne faisais que hurler, Al-Salib. Est-ce que tu arrives à muter ton micro comme regarde ? Comme moi, je vais faire au mien. Tu vois, les gens respectables, je le fais avec John aussi d'ailleurs, mais bon. Mais c'est bon, t'inquiète, il a compris, John. Il sait qu'il a dit qu'il était. T'as vu, regarde, j'ai réussi à muter mon micro. Est-ce que toi, t'as réussi à faire ça au tien, Zirglo ? Mais on s'en fout, on parle avec Cécile, bordel. Mais tu t'es pris pour qui, Al-Salib ? T'es pris pour quoi ? Mais il y a John qui parlait, mec. Non, mais dis-toi, pour qu'on puisse l'écouter. Il croit qu'il a une autorité quelconque. C'est pas possible. Non, mais dis donc, mais retourne trouver de l'autorité dans tes toilettes. Je comprends pas, les gars. Écoutez, faites ce que vous voulez, mais vous allez pas réussir à parler un seule phrase avec ces mecs. Vous le savez. À vous. Non, mais s'il on vous le plaît, connaît, où est le respect ? On le connaît. On connaît la bête. Où est le respect, s'il vous plaît ? Le respect est de laisser à John la possibilité.
Attends, excuse-moi, Dioclo. Dioclo, t'es plus sage sur tes lives, je reconnais, que quand tu vas chez les lives des autres. Et toi, Alcel, je vois pas l'intérêt. On sent bien qu'il y a une petite tension, une sorte d'histoire d'amour qui a mal fini entre sexuelle, toi et Dioclo. Madame Cécile, vous avez pas besoin de me mêler dans la conversation. Moi, j'aime juste le civisme. J'aime juste écouter les gens, madame. C'est tout. C'est tout. Moi, j'aime juste écouter les gens jusqu'au bout. Sinon, je peux pas les comprendre. C'est tout. Alcélib a raison, en fait. C'est pas une histoire d'amour qui a mal tourné entre lui et Dioclo. C'est Dioclo est comme ça avec tout le monde. C'est un peu malvenu de dire ça, Cécile. Je suis d'accord avec toi. Parce qu'il a dit que Dioclo, t'as un problème avec tout le monde. Dis pas par rapport à Alcélib. Voilà, elle est descendue. Très bien qu'Al-Salim me déteste, hein. Tu le sais très bien. Al-Salim me déteste. Hein. Bah non, il n'y a aucun doute là-dessus. Non, mais lui, il me déteste vraiment. Toi, tu me oui, détestes. Oui, bon, pas, il a le droit. Il n'est pas à ma place. Je veux juste écouter les gens. Tu peux te taire. J'ai le droit de les détester un petit peu. Je ne comprends pas qu'on veut juste écouter les gens, mais ce n'est pas possible, purée. Tu sais que je t'apprécie, Dioclo. Ouais, j'ai vraiment rendu dessus des tests. Non, mais t'inquiète, je t'inclus ce que tu m'avais dit une fois que tu m'aimais pas, mais c'était pour la. La John, je me mets de quelque part. Initialement, on ne peut pas parler en fait. Je suis pas du tout enchaîné en plus. Tu sais, c'est un peu. C'est inaudible. Même Al-Salib, je pourrais aimer. Il faut la décence de vous respecter. Mais oui, Dioclo. Si quelqu'un. Vous faites tu vas vous aimer, bordel de merde. Voilà. Mais non, mais on s'il vous plaît. On fait sur place, Dieu Claude. Mais en fait, aimez-vous les uns dans les autres, en fait, c'est tout. C'est pas de ma faute. Ouais. C'est pas de ma faute, en même temps. Edoui. Non, mais juste ça. Bah, après, c'est inaudible, on s'entend plus. Dieu Claude, oui, c'est un pro de la fitna. Mais t'arrêtes un peu la fitna de quoi. C'est juste catholique depuis quand, ouin. J'avais pas envie de sentir l'unis entre catholique et athée. Sérieusement, en fait, si tu veux, Dieu Claude, moi, je veux bien, tu vois. En fait, je veux bien qu'on ait des avis opposés. Moi, je pense qu'il y a une surreprésentation, et on reste sur le cas d'Internet, hein, qu'il y a une surreprésentation des réponses violentes, intimidantes, menaçantes de la part de musulmans, voilà, et de la part des gens, je parle pas de l'islam, merci. Par rapport aux autres dogmes. Si tu n'es pas d'accord avec ça, il n'y a pas de souci. Moi, je veux bien entendre tes arguments. Moi, mon seul argument, ça va être mon expérience personnelle et des expériences conjointes. La mienne, il n'y a pas d'études menées. Alors, on va faire un petit sondage sur le panel pour savoir ce qui est d'accord. Non, c'est pareil, ça va rien valoir. Je vais faire un sondage sur le panel sur le harcèlement en ligne. Il y a des études. Non, mais je t'ai pas regardé. Pourquoi tu me lances un sondage, Dioclo? Parce que ça comprend. Dioclo, je vais lancer le sondage là sur le live et on va voir qui a raison. Mais on s'en fout d'un sondage. On va voir qui a raison. Regarde, Dioclo, attends juste deux secondes. Dioclo, je vais te dire pourquoi juste prendre le harcèlement, ça tient pas. Dans la notion de harcèlement, tu as une question de redondance. Tu vois, de multirécidivisme ou de récidivisme. C'est harcèlement en ligne. Sauf que suffit juste. Harcèlement en ligne. Dioclo, c'est un message. Regarde, Mila, c'est un cas reconnu de harcèlement en ligne. Un seul message suffit. Non. Il y a des gens qui ont été condamnés que pour un message. Dioclo, s'il te plaît. Dioclo, le harcèlement, ce n'est pas ça. Le harcèlement, c'est défini. Juridiquement, c'est défini. C'est-à-dire que suffit juste qu'il y ait un live où on affiche ma tête, où on incite les gens à venir me chercher pour me faire du mal, ce n'est pas du harcèlement. Ça ne va pas rentrer dans ta stat, par exemple, ça. Alors, en fait, là, c'est pour ça que là, je ne pense pas qu'on puisse parler de stat. Parce que vraiment, regarde. Vraiment, Edoui, je vais y aller. Vous avez le droit, regarde certaines chaînes sur le droit et tout, tu te plantes. Je te garantis que tu te plantes. Non. Le harcèlement. Mais bon, c'est pas grave. Et je te dis que les avocats sur le harcèlement en ligne, c'est pas la même chose que le harcèlement dans la vie réelle, etc. Parce que justement, c'est pas le même phénomène. Oui, donc. Voilà. Attends, donc juste petite question. Est-ce que l'exemple que je t'ai cité peut être traduit par du harcèlement aux yeux de la loi? Bah oui. L'exemple du live unique qui appelle à non, qui pas d'un live unique. Ben non, si c'est un live unique, voilà, s'il y a des conséquences de messages derrière, etc., d'autres personnes qui agissent à cause de ce live, etc., ce live va rentrer effectivement dans les trucs. Non, c'est pas le live. C'est les... Non, c'est ça fera partie du live. Mais pas que les conséquences, ça dépend ce qui est dit dans le live. Si c'est juste la photo qui est affichée, oui, on est d'accord. Ça sera de l'incitation au harcèlement. Si par exemple tu dis à quelqu'un d'aller pragmatiser la personne, je suis désolé, si, ça va être condamnable aussi. Non, ça s'appelle de l'incitation au meurtre. Oui, mais ça fera partie des chefs d'inculpation en plus, mais c'est juste que dans l'idée, tout ça participe au harcèlement. C'est en ligne, précisément, mais c'est justement des phénomènes comme ça, des mises en avant.
c'est des phénomènes de mise en avant par un média, justement, qui va, par exemple, cibler quelqu'un et tout, bien sûr que si, il rentre aussi, alors il y a plusieurs chefs d'inculpation, plus que le harcèlement qui vont tomber, hein, la diffamation, la dénonciation, laisse-moi parler, s'il te plaît, je t'ai pas coupé, la dénonciation calomnieuse, etc., machin, l'incitation au meurtre, peut-être, ou je ne sais quoi. Mais de fait, ça participe au harcèlement. Après, ce n'est pas que ce chef d'inculpation qui va être mis dessus. Donc, bien sûr qu'on va peut-être pas condamner la personne pour harcèlement, d'ailleurs, parce que ce sera pas le plus intéressant. Donc, voilà. Non, mais non, ça, ce sera de l'incitation au harcèlement, Joko. Eh ben, ramène ça ne sera pas qualifié comme droit, harcèlement. On en parlera, tu vois, mais je suis désolé. Oui, il n'y a pas de souci. J'ai discuté beaucoup de ce sujet sur ma chaîne. C'est vraiment un sujet que j'ai beaucoup traité sur tout ce qui est un peu leur harcèlement sur Internet. Pas assez visiblement, Joko. Désolé, je discute avec des avocats qui m'en parlent. Eux, ils n'ont pas le même avis que toi. Mais bon, c'est pas grave. Il y a des docteurs en droit, des mais en fait, si tu veux, c'est pas donné, parce qu'il rien, qui ne après, peut pas se tromper. Après, peut-être, mais toi, en attendant, tu n'as pas la même expérience, malheureusement. Joko, tu me demandes de pas te couper, mais si tu fais des monologues, je vais être contraint de te couper. Oui, depuis tout à l'heure, hein, excuse-moi, gros. Si tu as discuté avec un avocat et que cet avocat t'a dit qu'un live incitant au harcèlement, tu vois, qui incite au harcèlement est traduit en justice pour, en chef d'inculpation pour harcèlement, il s'est trompé. Il s'est trompé. Je t'ai pas dit ça. Je t'ai pas dit. Chef d'inculpation, il va tomber pour harcèlement. Je t'ai dit, ce serait même pas intéressant de taper là-dessus. On prendra autre chose comme la diffamation. C'est pas question d'intéressant. Calomnieuse. Que juridiquement, ça ne tiendrait pas. Mais laisse-moi parler, bordel. Tu vois, regarde, t'écoutes pas. Tu vois, vraiment, t'écoutes jamais, en fait. T'écoutes la moitié d'une réponse et dès que ça te plaît pas, parce qu'il y a vraiment un argument, c'est-à-dire, je te dis non, ils vont pas prendre ça. Ils vont prendre d'autres chefs d'inculpation qui vont pouvoir faire prendre bien plus à la personne. Toi, t'es là. Ouais, mais attends, c'est pas ça. Si, en fait. Arrête tes conneries. Et c'est pas, non, mais il y a un moment donné, non, mais c'est pas ça, c'est qu'ils te laissent jamais parler, ouin. Donc, il y a un moment donné, faut le dire. Non, mais laisse-moi lui dire, c'est pas grave. Je le fais, il le fait aussi, il faut lui dire. Voilà, moi, on me le dit, je lui dis. Bref. Et du coup, de fait, c'est tout ce que je dis. Je te dis pas, oui, on va prendre le harcèlement comme premier chef d'inculpation, on s'en bat les couilles. On va prendre le plus grave, surtout. Non, moi, tout. Ce que je te dis, c'est que ça ne sera même pas un chef d'inculpation, c'est ça que je te dis. Oui, d'accord, monsieur le juriste, vous avez raison. Voilà, on baisse le kippa, on se tait. Merci, monsieur. Non, faudrait juste prouver. On a hâte de voir votre doctorat en droit, hein, pour nous expliquer tout ça. Parce que tu as une expertise en tout, semblerait-il, donc j'ai hâte de voir ça. Moi, je m'en réfère à des gens qui connaissent le sujet de la harcèlement. Moi, je sais pas. Toi, t'as l'air de mieux savoir que les gens eux-mêmes qui en parlent. Mais bon, c'est pas grave. Joclo, j'ai lancé le sondage pour savoir si les musulmans, de manière générale, étaient surreprésentés dans le doxing ou l'intimidation sur TikTok ou tout ce qui est harcèlement, etc. On va avoir la réponse. Ah, c'est sûr que le panel est représentatif. 42 votants. Attention, le vote va être criant de vérité. Hein. C'est... Même Nifop oserait pas le sortir. C'est pas grave. Mais si, j'ai pas voté. Vraiment d'accord. Merci de m'avoir fait monter. Ah, désolé, voter, c'est un peu. J'invite à tout le monde de. Sur voiture. Sur voiture. Je vous écoute d'en bas. Ah, merde. Bon. Salut, voilà, Azim. A pris la parole depuis le début. Oui, mais moi je pensais que le sujet c'était la peine de mort, donc je vous laisse vos enfantillages. Ah, moi je voulais revenir sur la peine de mort après. Mais... Il a raison. Parlons d'autre chose. Non, c'était chiant, hein, franchement. Alors... Loin, arrête de chialer, quoi. C'est alors chiant. La peine de mort, je bien ton pseudo, quand même. Vas-y, la peine de mort, c'est mal. C'est plutôt pour. T'as besoin contre. De balancer ta patate chaude là, il est parti. Contre. C'est mal. C'est mal. Et c'est mal. Tu parlais du coup, Joclo, ou c'est mal de quoi? Vas-y, vas-y. Est-ce que t'es pour ou contre? Non, c'est mal. C'est contre à 100%. Voilà, la dîme a une réponse, je pense. Je suis contre à 100%. Déjà, d'un, parce que ça implique de, dans une société civilisée, d'utiliser la barbarie pour appliquer une peine. Et la deuxième raison, pas c'est du que... Tout, si tu... Pas du tout, les gens, tu peux les faire partir. Finir, Olivier, c'est tout. Avec des petits réponse, produits, hein. Ça va durer ouais. 10 secondes. Là. La deuxième, c'est que oui. Si tu te trompes, il n'y a pas de retour possible. Ouais, j'ai fini. Mais est-ce que toi, tu penses pas qu'avec ce type de mentalité, tu favoriserais en fait la défense plus des victimes, enfin de plus justement, excuse-moi, des accusés. Pas du tout, parce que je suis pour selon le type de peine, je suis pour exclure, enfin protéger les gens de la société en isolant les gens jusqu'à la fin de leur jour. Type, ouais, mais du coup, est-ce que tu es pour au moins qu'ils puissent rembourser, enfin, donc du coup, tu peux pas rembourser. Tu rembourses comment un gamin qui s'est fait abuser? Tu le rembourses comment? Non, mais tu peux pas. Mais déjà, le simple fait que toute la société contribue à le nourrir, à le loger, à le surveiller, ça coûte très cher. C'est le prix de la civilisation, en fait, pour moi. Bah non, moi pour moi c'est au prisonnier lui-même déjà de rembourser en fait chaque jour en travaillant le prix en fait de son incarcération. Oui, mais si c'est ça ou ça veut dire faire d'un citoyen un assassin quand il va tuer cette personne, tu vois?
Non, non, mais déjà, ça, en fait, c'est les deux en un. Ça permet la réinsertion, tu vois. Non seulement de travailler, de ne pas rester oisif à jouer à la Play ou à être sur TikTok. Alors, après, le, je te dis pas que le mec, faut le mettre dans une. À se radicaliser aux frais de la princesse. Je te dis pas que le mec, faut le mettre dans un hôtel 4 étoiles, là. Je dis que c'est certaines, non, c'est certaines personnes, il faudrait les isoler à vie. Ouais, mais il faut qu'ils travaillent. Même s'ils sont isolés à vie, il faut quand même qu'ils travaillent jusqu'à la fin de leur vie. Oui, c'est comme ça se discute après. Ouais, mais c'est autre chose que le principe que la peine de mort. C'est une autre discussion. Oui, ça c'est une autre discussion. Ouais, d'accord. Mmh. Bien sûr que ça n'a rien à voir. Mais toi, t'es pour la peine de mort, Jeanne, ou pas? Moi, je suis même pour la vendetta, tu vois. Donc ouais. T'es pour la vendetta? Moi, je suis contre. Je suis contre, en fait. Moi, je suis contre la famille. Moi, je suis pour la peine de mort, mais la vendetta. Je suis pour que la famille puisse décider si oui ou non. C'est encore ceux qui parlent là. Non, c'est pas ça. C'est légalement parlant. Je suis pour que la famille ait le droit de dire si oui ou non ils sont d'accord avec le fait que, au vu en fait du meurtre établi, du préjudice, il peut être faire l'objet de la peine de mort. Si oui ou non ils sont d'accord de le faire ou de l'épargner. Tu veux dans une société où la justice repose sur la famille de la victime avec toute la partialité. Non, ça repose pas sur eux. C'est-à-dire, ça repose sur le droit déjà, sur la justice. C'est-à-dire de voir si une personne est apte à être tuée ou non, si la peine de mort est restituée. Bah effectivement, si la personne c'est un multirécidiviste, on va dire que c'est un, je sais pas moi, un tueur en série par exemple. Effectivement. Donc en fait, la justice, elle repose plus sur des règles, mais sur l'humanité de la famille. Non, t'as pas compris. La justice a déjà tranché pour dire ok, lui, on a établi c'est la peine de mort ou pas. Donc là, justement, c'est l'inverse, c'est-à-dire que la famille a le choix avec le verdict de décider si oui ou non elle le gracie ou pas, ou si on conserve la peine de mort. C'est pas eux qui vont choisir la peine de mort. Pas du tout, c'est la justice. Quelle horreur. C'est horrible, en fait. Bah non, non. Victimes d'aller se prononcer sur est-ce qu'on bute... Non, je comprends ce que tu veux dire, John. C'est gentil, non pas gentil. Bah, c'est écoute, gentil, non pas ça gentil. Les concerne eux en premier, tu vois. Donc, à chaque fois, il y a des familles qui n'arrivent pas à faire leur... Moi, je pense aux victimes. Il y a des familles qui n'arrivent pas à faire leur deuil. Il y a des familles qui n'arrivent pas... Attends, j'ai pas terminé la réponse. Attends. Une victime qui se fait VIO. Attends, il y a des familles qui n'arrivent pas à faire leur deuil. Est-ce qu'on bute ou pas? Tu te rends compte? C'est-à-dire que tu vas faire porter la mort de quelqu'un sur le dos de la victime. Il y a des familles qui n'arrivent pas à faire leur... Putain, je ne peux pas parler dans mon live. Tu te rends compte de ce que tu racontes? S'il te plaît, Cécile, fais quelque chose. Je te dis, ouais, achète en voiture, John. Après, il y a des familles qui n'arrivent pas à faire leur deuil. Il y a des familles qui n'arrivent pas à faire leur deuil parce que justement, toute leur vie, en fait, elles savent qu'en fait, leur prisonnier est derrière les barreaux et que, en fait, la société doit contribuer à payer pour eux. Et que même pire que ça, ils sont relâchés parce qu'en fait, ce n'est pas une perpétuité effective, en fait, réelle. Donc voilà. Et donc, moi, je veux leur donner le choix parce que c'est eux les premières victimes dans leur famille de pouvoir décider en toute conscience si oui ou non ils veulent appliquer en fait le verdict de la peine de mort qui sera en fait légalisé parce que finalement cette personne-là aura été condamnée à la peine de mort par rapport à ce qu'il aura commis. Tu vois ce que je veux dire? Il y a aucun problème. C'est horrible. Ça veut dire que tu devoir juger ça. Ouais, ça veut dire que tu crées en fait une société où la peine appliquée dépendra de bon vouloir de gens. Non, il a pas compris encore. Ouais, c'est ouf. Hein. J'ai très bien compris. La peine a déjà été faite par la justice. C'est pas moi qui vais choisir la place de la justice. Tu déformes mes propos, Vladim, c'est pas cool. J'ai jamais dit ça. J'ai dit la peine, elle est déjà tombée. Tu vois quoi qu'il arrive, bon, ça dépend pas de la famille. Par contre, la famille peut décider si oui ou non elle va gracier. C'est-à-dire quand je dis gracier, c'est quoi? C'est pas le libérer, hein. C'est-à-dire soit il fait de la perpétuité ou soit la peine de mort. En gros, c'est ça, tu vois. Mais elle peut choisir. J'ai compris. J'ai compris. Je suis en train de répondre. Je te dis, tu veux vivre dans une société où quand deux personnes qui ont commis la même peine, d'accord, ils ont été condamnés tous les deux. Et tu en as un, la famille de la victime veut appliquer la peine, l'autre non. Donc en fait, la justice qui est rendue, elle dépend du bon vouloir de la famille de la victime. C'est cette société-là dans laquelle tu veux vivre. Non, c'est faux, c'est pas du bon vouloir. C'est parce que quoi qu'il arrive, la justice a déjà... Oui, mais après l'application de la peine, elle dépend, de quoi Non, mais pour elle, attends. En termes de proportionnalité, pour la justice, c'est la même chose. De dire que la personne ta gueule. En fait, c'est quoi? C'est qu'il y a une proportionnalité entre. Il y a une proportionnalité, en fait, entre le fait que la personne soit jugée, à perpétuité, et la peine de mort. Sur la base, c'est la même chose, en fait, au niveau de la justice. Donc, soit l'un, soit l'autre. C'est strictement injuste.
Bah, moi, pour moi, ça ne se base pas sur des critères objectifs. Ça se base sur des critères subjectifs de la famille de la victime. C'est injuste. Ça veut dire que dans l'absolu, regarde un truc. Tu tombes sur un mec, il fait une dinguerie. Il tombe sur une famille de la victime qui est complètement perchée, qui comprend pas ce qui arrive et qui dit que pas que la peine soit appliquée. Ce mec-là va être sauvé, alors qu'un autre mec a fait la même dinguerie, peut-être même moins. Lui, il va être perpétuité. Il aura de la perpétuité, même que ça. Attends, allez, gars, c'est pas ça. Non, mais il écoute rien, il écoute rien. Non, mais c'est pas une question de ça. Vous parlez de la peine de mort. Mais non, mais on est dans un sujet qui est un peu. Mais c'est dingue. Vous parlez de la peine de mort tout court. C'est bizarre de parler de la peine de mort en incluant une éventuelle décision dont les familles. Enfin, c'est bizarre de parler de la peine de mort comme ça. C'est la première fois que je parle de la peine de mort dans ce sens-là, quoi. Mais vous parlez pour ou contre la peine de mort. C'est pas bizarre, Cécile. Non, c'est bizarre. La famille a le droit. Il faudrait la réinstaurer pour un temps donné. La famille a le droit. La justice lui dit voilà. Il a été jugé à perpétuité. Ce qui correspond à la peine de mort, vous pouvez activer la peine de mort si vous le voulez. Si vous ne voulez pas, vous le faites pas. Après le jugement. Si vous le faites pas, vous le faites pas. Mais c'est votre choix parce que vous êtes les premiers impactés par la victime, votre fils qui a été tué dans d'affreuses souffrances par cet individu. On a toutes les preuves à l'appui. Donc si vous voulez décider que cet homme-là meurt, vous pouvez. Non, mais attends, là. John, écoute-toi. Attends, Cécile, s'il te plaît. John, écoute-toi, mon frère. Tu te rends compte, une famille qui est endeuillée avec toute la peine qu'ils ont de même d'écouter le tribunal, de voir le meurtrier de leur enfant. Justement. Mais tout ça, c'est psychologiquement, c'est lourd de leur donner encore. Ce qui est lourd, c'est que ce mec-là va ressortir. Ce qui est lourd, c'est que ce mec-là va ressortir parce qu'il aura pas une peine de perpétuité réelle, ce qui n'existe pas en France. Donc au bout de 30 ans, il va ressortir, tu vois. Pas besoin de demander aux familles, John. Pas besoin de ça. Tu le mets en prison pour la vie, c'est tout. Il y a pas besoin de demander est-ce que vous voulez le tuer ou pas. Une meuf, il se fait veiller parce qu'il se fait tuer. Non, parce que parce qu'il va coûter. Non, mais John, parce qu'il va coûter. On le met en prison à vie, moi je suis pour la peine de mort. Mais parce qu'il va coûter à la société, dans ton sens, c'est la justice de prendre en charge. C'est pas à la famille, c'est la justice. Attends, les clous, il va vraiment falloir apprendre à vous écouter. Le prochain qui coupe une personne, je vous descends. Vous apprenez à discuter, vous fermez vos gueules pendant que quelqu'un parle, et après, parce que je vous assure, c'est horrible. Apprenez à vous taire quand quelqu'un parle, bordel. Voilà, alors, c'est tout. Ce que je voulais dire, simplement, c'est que cette personne-là va coûter à la société, alors que normalement, c'est lui qui a une dette envers la société. Il faut réinstaurer le travail obligatoire, mais bien sûr dans les règles de l'art, pas le travail forcé, c'est-à-dire, en gros, qu'il puisse déjà payer son petit séjour en prison, hein, ni plus ni moins, et par-delà entre 60 et 80 euros par jour. Et une fois que ça s'est remboursé, il faut qu'il travaille de manière supplémentaire pour rembourser la famille au niveau de son préjudice. Bien sûr, on peut pas rembourser avec de l'argent le préjudice. Je suis pas con, voilà, dit merci, je le savais. Mais simplement, quand même, tu vois, c'est quand même une contribution qu'il faut faire. Parce que ça peut c'est mieux que rien. En gros, c'est mieux que rien. Voilà, même si ça ne pourra pas remplacer la peine. J'ai compris, je suis pas con. Oui. Donc, mais t'as rien dit là. Autant que la société paye pour lui, quoi. Non, c'est mort. Calme-toi deux secondes. Il parle pas, Vladim. Là, il a rien dit là. D'accord. Maintenant, on va redire un petit peu ce qui a été dit. Là, t'es en train de dire. T'as une société qui fait des jugements, qui peut dire le mec il est condamné, c'est établi, ok. Pourquoi tu veux faire mettre en responsabilité la victime qui doit décider si oui ou non tu lui gars, parce que soi-disant les êtres souffrants et tout, mais laisse ça tranquille. Non, il n'y a pas aussi. Forcément de responsabilité. C'est la justice d'assumer. Je vais te répondre. Laisse-moi parler. Laisse-moi répondre. Non, tu sais pas. Donc laisse-moi parler. Merci. Je n'ai pas dit, donc tu ne sais pas. De fait. Là, ce que tu es en train de faire, c'est de dire la justice ne prend pas la responsabilité de la peine de mort, on la confie à la famille qui va décider si oui ou non on doit le faire. Exactement ce que j'ai dit. Mais laisse-moi finir, d'accord? Laisse-moi finir. C'est à la justice de prendre en charge ça. C'est-à-dire que si demain... C'est pas exactement ce que j'ai dit. Laisse-moi terminer. Merci. Si demain on doit appliquer une peine de mort, par exemple, et que la justice applique ça,
parce que ça fait partie du protocole, on va dire, de fait, ça aide d'assumer tout, dont le fait d'appliquer cette peine de mort et de ne pas justement ajouter à la peine d'une victime, parce qu'imaginons, elle dit, oui, on va pas le condamner, elle regrette son choix. On fait quoi? On revient en arrière quand elle a changé d'avis? À l'inverse, elle se dit, oui, condamnez-le, et elle change d'avis une semaine plus tard en disant, ah, comme bonne catholique, j'avais pas envie qu'il soit condamné, et elle porte la mort du gars. Enfin, ça n'a aucun sens. Non, ça n'a aucun sens de rajouter ça à la peine de gens qui ont déjà subi beaucoup plus grave, en fait. Je vais pas la faire porter sur les épaules parce qu'en fait, ça va se disposer en trois choix. À savoir, la justice va venir vers la famille, va dire, voilà, le verdict, ça a été, la perpétuité, réclusion et perpétuité et la peine de mort. Est-ce que vous voulez que le choix, ça soit nous ou la peine de mort? Tu vois, le choix, ça soit nous qui le fassions, puisqu'on peut soit lui donner la peine de mort, soit qu'il soit à perpétuité, ou il y a la possibilité, justement, avec mon système, que ça soit vous qui décidiez. Sinon, c'est nous qui décidons. Si vous décidez, soit l'un, soit l'autre. Mais nous, en fait, si vous décidez pas, on le mettra, par exemple, à la perpétuité, c'est juste ça. Tu vois, le choix sera posé. Si vous voulez porter la responsabilité, on va pas imposer qu'il porte la responsabilité. Mais il y aura ce choix. Il y aura des familles qui seront d'accord pour ça, tu vois. John, il y en a qui seront d'accord. Dire que quelqu'un a un choix à faire, d'accord? Et en même temps, dire que ce n'est pas lui qui en porte la responsabilité, c'est un des plus gros paradoxes que j'ai jamais entendu, franchement. Non, mais t'as entendu ce que j'ai dit? Exactement. Ou pas? C'est exactement ce que tu viens de dire. Bien entendu. Je répète, on peut donner le choix. Non, mais John, il l'a déjà dit. John, ça fait 5 fois que tu me dis. On a compris. John. Mais la réalité, c'est que si tu donnes le choix des familles, si elles ont le choix, c'est elles qui portent la responsabilité. Non, elles sont pas obligées de le porter. Qu'importe le choix. Qu'importe le choix. Elles porteront la responsabilité de leur choix, que tu le veuilles ou non. Mais tu peux dire non si tu veux. C'est faux. Mais non, c'est pas ça du tout. Je dis si simplement si je te propose un bonbon, tu le prends pas. Je dis non. Tu portes la responsabilité du choix. Bah donc tu portes la responsabilité du choix de pas le prendre. Point. Mais c'est pas une responsabilité. C'est pas une responsabilité. Non. Quand tu endosses sa responsabilité, c'est quand tu dis oui. Le bonbon, je dirais non, tu l'auras pas. Non. Mais je lui dis quoi qu'il arrive. Non, je lui dis quoi qu'il arrive, on va opérer le verdict. Maintenant, vous avez la possibilité. C'est juste un choix. On t'offre cette possibilité. On te dit pas. Un choix pour qu'il porte la responsabilité derrière. Oui, parce que qu'importe le choix qui est fait d'ailleurs. Qu'importe le choix. Tu leur fais porter la responsabilité. Mais s'il dit non, je ne veux pas apporter aucune responsabilité dans n'importe quel que ce soit le verdict, Que tu décides de rien. On t'a mis ça dans la tête, il n'y a pas de problème. Mais gros, je leur laisse le choix, ils décident. Si je te propose un bonbon, tu dis oui ou non. Il décide pas le choix, donc tu décides. Non, mais il décide pas de l'issue du verdict. Il dit simplement. Ils s'en lavent les mains. Ils ne veulent pas s'en mêler. Ils disent non, je m'en mêle pas. Voilà. On leur dit même pas ce qui va advenir. Tu vois, on leur dit pas c'est grâce à vous il va être mis à mort ou perpétuité. Est-ce que vous voulez avoir la main mise sur l'issue du verdict? Oui, on dit même pas où ça va, tu vois. Oui ou non? Non, ok, c'est bon. Et on fait le truc, le verdict, ça a été ça. S'ils disent oui, on dit là, on passe à la deuxième étape. Vous avez le choix entre ça et ça. Si seulement eux, ils disent oui, tu vois. Imagine-toi, c'est une erreur judiciaire. C'est horrible. C'est vraiment horrible. Horrible. Peut-être qu'il faut que tu redescendes. John, il y a quelqu'un qui me déconnecte. Voilà, là c'est bon. Je sais pas qui c'est, j'en sais rien. J'ai pas idée. C'est pas notre abruti de Job là, mais. Oh, c'est Job, je suis sûr que c'est lui. Ah, c'est la guerre entre les deux. Okay, non, c'est pas Job. John, tu as dit une bêtise, et c'est ce qui fait que depuis tout à l'heure, vous ne comprenez pas. Tu as dit que tu étais pour la vendetta. Or, c'est pas le cas. Là, ce que tu décris. Je dis, c'est pas la vendetta. T'as raison. C'est pas exactement la vendetta. C'est pas la vendetta. La vendetta, justement, c'est là, tu te soustrais à la justice. C'est vrai, Edoui. Là, t'as raison. Le mot n'est pas bon. C'est Moïse, tu comprends. Ça change rien qu'au concept que t'as articulé, ça tient pas, quoi. Non, mais il va le refaire, il s'amuse, il est taquin, Moïse. Pour autant, tu vois, moi, je serais pour que. Peine de mort. C'est bizarre, la façon dont vous abordez la peine de mort, c'est très bizarre. Mais Cécile, mais on a le droit de dire ça. Non, non, tu me boycottes. Donc, t'es en train de boycotter, on peut pas parler librement, quoi. Il a décidé que c'est bizarre, mais c'est très bizarre. Les enfants, bouchez vos oreilles. Non, en fait, c'est très bizarre la façon dont t'abordes le sujet. Ils ont entièrement raison. Tu peux pas mettre
sur le, la, enfin, tu peux pas mettre sur le, sur les épaules de la famille une telle décision. Mais je ne mets pas sur les épaules de la famille. Je t'explique juste un truc. John, est-ce que je peux dire pas compris. T'as pas compris. Je ne mets pas sur les épaules de la famille. Décision. Mais non, et tu leur donnes, John, tu leur donnes, mon frère, la dernière décision à prendre. Non, tu sais, c'est tu mets une charge en plus. Non, je leur donne pas la charge de la peine. Non, c'est pas ouais. Ça. Je leur donne pour certains, ceux qui veulent rentrer en fait dans la charge de la peine, ils peuvent le faire. Sinon, tu n'as pas à avoir cette responsabilité sur le dos. C'est la justice qui l'a en premier, bien avant toi. Quoi qu'il arrive, par défaut, c'est la justice, c'est pas toi. Donc c'est pas vrai ce que vous dites. Non. Ok, moi j'ai une version un peu différente de John. Je vais essayer d'expliquer. Donc bon, déjà moi je suis pour la peine de mort dans certains cas viol avec oui voilà moi aussi Edoui que dans certains cas viol voilà. Fait aggravé, voilà. Du trou ou truc comme ça c'est peine de mort direct. Oui genre comment il s'appelle Fournirait Jean-Claude Fournirait la petite fille de la famille là non je pense que Myriam peut vous parler Myriam est-ce que bonjour Myriam Gertrude s'il te plaît parce que je suis en train de parler bonjour Myriam c'est insupportable il est en train de parler Edoui là les gars oui Permets-toi, vas-y. Rigole, Conan. C'est vrai que Myriam, il y avait des gens qui parlaient avant. Il y avait Warren qui essayait de dire des trucs. Vraiment pas rigolo. Non, Myriam, tu attends. Myriam, excuse-moi, je t'aime beaucoup, mais là, tu attends. Il y avait du monde avec toi. C'est bon, le Conan va la laisser parler, c'est bon. Tu attends. Non. Il n'y a pas de ça, on n'a pas commencé. Donc, vas-y, tu termines ton propos. Et Myriam, tu attends, tu prendras la parole après, ma biche. Pour moi, à part dans le cadre du meurtre, puisque la victime n'est plus présente, par exemple, dans le cadre de V ou de... le rescapé du terrorisme ou peu importe, pour moi la victime devrait avoir le droit, hein, le droit, on ne parle pas d'obligation, le droit de gracier ou non. Parce que tu vois, je prends l'exemple. Ne ponctue pas mes phrases. Tu prends le cas de Monsieur Dujardin qui a perdu sa fille dans les attentats Non, c'est pas Charlie Hebdo, pardon, c'est du Bataclan. Ce mec les pardonne. Ce mec les excuse. Et ce mec en a besoin pour avancer dans la vie et faire son deuil. Donc une personne qui en ressent le besoin, c'est-à-dire que demain on remet la peine de mort, le criminel est condamné à mort. Si cette personne-là, si la victime, je parle de la victime, pas des parents, pas des proches, je parle de la victime qui est toujours vivante, a besoin de gracier cette personne-là pour continuer dans sa vie, qu'elle ne veut pas qu'il meure, elle en a le droit. Ce n'est pas une obligation. Elle n'est pas contrainte de le faire. Elle n'est même pas contrainte de se prononcer. Mais il doit y avoir un texte de loi qui lui permet de le faire si elle en a besoin. Ok, ouais. Mais juste une question. Pourquoi appliquer une peine de mort? On peut très bien condamner. Est-ce que les gens pardonnent même si la personne est condamnée en prison? Tu vois ce que je veux dire? Donc, du coup, est-ce qu'il y a vraiment nécessité d'une peine de mort? La récidive, Jean-Claude, les peines, elles sont. Mais la récidive, les peines, elles vont jamais jusqu'au bout. Et tu verras que l'enfoiré, tu verras que le landais, tu verras qu'il sortira. Tu verras qu'il sortira. Est-ce qu'on peut laisser parler Myriam, s'il vous plaît? Deux secondes, Olivier, on va la laisser parler. Voilà. Et donc, du coup, comme je disais, c'est que, effectivement, là où je peux être d'accord avec vous, c'est non pas moi je serais pas pour une peine de mort. Par contre, des peines de, voilà, plus que de longue durée, c'est-à-dire perpétuité, hein, je suis pas contre. C'est-à-dire une prison super max, sous-sol, pour mec des dégénérés. Moi, j'y vois pas de grand problème, parce que effectivement, peut-être qu'il faut pour certains les écarter de la société. Après la peine de mort, c'est vrai que je vois pas l'utilité directement, à part pour le coup, à la limite, tu vois. Mais et encore que, parce que du coup, ça peut représenter d'autres soucis annexes. Mais vas-y, les clous de Jésus. Ouais, juste pour faire un petit cas pratique. Le mec qui a fait violer sa femme par d'autres. Et avec des stratagèmes comme des médicaments ou quoi que ce soit, comment l'auriez-vous jugé, vous ? Prison à vie. Ah, je fais le tour du panel. Hein. Moi, j'ai prison à vie. Des crimes extrêmement graves, je pense que... Sans compression de peine possible. Il peut y avoir... Il a fait doper sa femme.
pour la, mmh. la mettre dans les bras de plusieurs mecs qui étaient mal intentionnés. Ah, ce cas-là, d'accord. Ah, bon, bah, non, mais oui, prison à vie, oui. Mais quand tu vois qu'il y a des gens qui mettent des enfants dans des réseaux de pédophilie, que les enfants se font passer dessus par je sais pas combien d'adultes, putain, mais peine de mort, sans déconner. Après, quand ça touche à des adultes, je sais pas, après... t'as la Meghan qui s'est fait violer pendant plus de 8 heures à coups de manche à balai, elle a eu les poumons perforés. Ouais, à un moment donné, il y a des gens qui ne sont pas faits pour vivre en société. C'est médical, quoi. De toute façon, on pourra rien en faire. C'est bon, on éradique, quoi. Au bout d'un moment, ça suffit, quoi. Je peux répondre ? Moi dans l'idéal, hein, vraiment dans l'idéal absolu, en fait, pour moi, la réponse à cette question dépend beaucoup du système pénitentiaire et judiciaire. C'est-à-dire que si tu as un système pénitentiaire, pour moi, hein, l'idéal, ce serait un système pénitentiaire, une espèce de société dans la société qui s'autogère. Mais ça, c'est une vision long-termiste, tu vois, c'est quelque chose qui va mettre vraiment beaucoup de temps, plusieurs générations à se mettre en place, tu vois. C'est-à-dire que je n'ai pas, moi, citoyen, même si je pense que voilà, Nadim, toi tu vas me contredire là-dessus, mais je ne veux pas payer pour la sécurité de ma société. C'est-à-dire que... Je suis d'accord, mais alors, qu'est-ce qui t'empêche cette personne de la faire travailler, par exemple? Rien. Ah, mais moi, c'est ce que je dis. Moi, dans l'idéal, si on a un système pénitentiaire qui fonctionne comme je le dis, qui s'autogère, où la société n'a rien à payer, parce que c'est pas à la société de payer les méfaits d'autrui. Merci. Je serais pour, je serais contre la peine de mort. Là, je serais pour une réelle perpétuité. En fait, tu peux proposer à la personne qui doit purger sa peine, soit tu es dans une chambre avec quatre murs et un lit, une fenêtre et basta, soit si tu veux un peu de confort, ben, tu travailles pour te le payer. Voilà. Ouais, mais tu sais à qui tu vas te confronter là? Tu vas te confronter aux humanistes. Eh ben, je leur chie dessus. Les prisons Supermax, tu fais comme les prisons Supermax. Non, mais Supermax aux États-Unis, ouais, bon, c'est pas le meilleur système, mais au moins tu butes pas les gens, les gars ils sont enfermés, t'as une cellule, t'as un banc en métal, t'as un lit en métal, les gars sont enfermés à vie parce que c'est des dégénérés totaux et qu'on n'a pas de solution pour l'instant. Après, moi, ce qui me gêne beaucoup là-dedans, c'est que je me dis, bon, à partir de quand on juge qu'on enferme quelqu'un à vie ou qu'on le tue, par exemple, dans le cas de la peine de mort, et quand est-ce qu'on évalue en fait que là, c'est le cadre où on doit le passer? Parce que moi, par exemple, si je prends ma cousine, voilà, ma cousine s'est fait galda par un vieux de 54 ans, si ça rappelle des souvenirs à quelqu'un, j'en suis désolé, mais de fait, voilà, il s'est passé ça avec ma cousine, tu vois. Moi, je considère que ce mec-là, il faut PDM, tu vois. Et la fille, elle va dire, non, c'est pas Marc Dutroux, tu vois, c'est pas Marc Dutroux. Et là, je dis, bah attendez, comment se fait-il? Et le problème, c'est que votre justice, elle risque d'être dangereuse, parce que imaginons, on élimine Marc Dutroux, tu vois, peine de mort. Moi, par contre, celui qui a galda ma petite cousine, tu vois, lui, pas peine de mort. Alors moi, je vais considérer que la justice, elle est mal faite, et du coup, je vais me faire justice moi-même, considérant que voilà, mais comme j'aurais juste été un homme adulte, abusé de ma cousine, moi c'est pas un pur PDM. Et en fait, on crée un système qui pour moi est dangereux. C'est un système où finalement il va être injuste. Soit pour faire un coup définitivement, etc. Mais tuer les gens avec le risque en plus de tuer des innocents, c'est pour moi très dangereux, tu vois. Alors, si il y a des innocents qui ont perdu un peu, tu fais mal, tu peux faire quand même demain, quoi. Dioclo, autrefois, oui, il y a 20-30 ans, enfin, bref, il devait y avoir beaucoup d'innocents, enfin, beaucoup, je sais pas, mais c'est évident que la probabilité qu'il y ait plus d'innocents. Bon, maintenant, la police scientifique a quand même des choses qui évoluent. Il faut effectivement être, si t'es sûr à 100%. Là, on parle des cas sûrs à 100%. Si on parle des cas sûrs à 100%, qu'il y a de la multirécidive et que le mec, bon, ben, c'est mort, quoi, et c'est intraitable, et qu'il y a des actes de partage. Et il essaye de la réanimer, et cette femme, elle décède, il y a les flics qui arrivent. Tu vois, il y a ses empreintes sur le couteau, il a du sang sur lui, il y a un cadavre à côté. Son fils, on le pragmatise. Tu trouves que c'est juste, hein? Parce qu'il n'y a plus de possibilité. Non, mais en fait, il n'y a pas de démission. Il n'y a aucun moyen où il va pouvoir prouver son innocence, voilà, hein, une fois qu'il est pragmatisé. Hein. Non, je vois ce qu'il veut dire. C'est pas ça. C'est que la peine de mort, je suis pas pour dans tous les cas, bien évidemment. Je suis même pas pour. C'est horrible de dire ça, mais je suis même pas pour. Sors, ma belle.
pour un genre un simple viol quoi. C'est bizarre cette phrase, mais je suis désolée. Quand il y a des gars, quand il y a des gars qu'on violait des femmes avec des, mais des avec des, parce que l'acte de barbarie dans le viol, je sais pas si vous percutez vraiment ce que c'est. Des dingues pareilles, et puis les enfants. Bah, peine les de mort pareil, Cécile, si un acte de barbarie. Et puis les enfants quoi, putain, y a, laisse tomber. Je suis sûr, on est bah, même oui, pas. Oui, peine hein. de mort. On peut même mort, pas. Ouais. Deux secondes, John. On peut même pas se rendre compte de des horreurs. On imagine, mais je crois qu'on est à mille lieues de ça. Si, moi j'imagine tellement qu'il mérite la mort. Si. Tu dis oui, bien sûr. Regarde. Ça sert à rien de garder ces gens, ça coûte un bras à la société. Puis je veux qu'ils crèvent. Je suis désolée. Regarde, Cécile. J'ai regardé une émission la semaine dernière. C'est pas bien, hein, mais. Non, mais c'est cathartique. Après, c'est légitime. Par contre, ce sentiment est légitime. Vas-y, les clous, pardon. Une femme qui racontait son histoire du fait que son père l'avait élevé. Pendant pas mal d'années, et en fait elle a essayé tant bien que mal de se reconstruire, et à la fin en fait elle avait une petite sœur, et un jour sa sœur qui vient chez elle et tout lui dit je veux plus aller chez papa. Elle dit ouais, bah pourquoi? Elle dit non, bah papa est bizarre. Et tout de suite elle a compris, et elle est partie chez les flics et tout porter plainte et tout. Mais qu'est-ce qu'on ferait avec ce genre de personne qui d'une a touché sa première fille, deux récidives et touche sa deuxième fille. Prison à vie. Et puis, je sais pas comment on appelle ça, la castration chimique. De la merde. C'est de la merde. Et le mec arrête de prendre son traitement. Pour moi, il y a un principe qui devrait être appliqué dans la vision réinsertionniste. Je vais inventer un terme. C'est la balance bénéfice-risque. En fait, je pense qu'aujourd'hui, on est capable, avec les connaissances qu'on a en sociologie, en psychologie, en psychiatrie, en tout ce que tu veux, pour moi, on devrait être capable d'avoir des professionnels capables d'établir un diagnostic et la balance bénéfice-risque. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a plus de risques que de bénéfices à réinsérer cette personne dans la société? S'il y a plus de risques, tu restes en prison ad vitam aeternam. Point. Tu vois, c'est dans l'idéal, bien sûr. Tu te rends bien compte que c'est très compliqué à évaluer, hein, même en psychiatrie. Et je parle pas, tu vois ce que je veux dire? En fait, si je parle de balance bénéfice-risque, c'est parce que on ne pourra jamais être sûr à 100% que la personne est réinsérable ou non. C'est pour ça que pour moi, il faut ce principe de balance bénéfice-risque. Mais en fait, regarde, t'as des gens qui vont totalement bien mimer la réinsertion, il y en a qui le font très bien et qui récidivent du coup d'autant pire en fait, parce que voilà, c'est le principe des tueurs en série américains par exemple, qui eux passent quasiment crème pour certains, parce que effectivement, ils sont adaptés socialement. En fait, le problème, c'est que tu pourrais te faire leurrer avec un système comme ça. C'est en fait, malheureusement, en fait, il y a deux options. C'est soit justice réhabilitatrice et on considère que on laisse une chance, mais s'il y a récidive, bah hop, oui, que on te remet là-bas aux prisons à vie. Moi, je suis pas contre la prison à vie. Et comme ça, si jamais on trouve que c'est faux, par exemple, comme Patrick Dibbs, qui avait avoué carrément les crimes, hein, et qu'il était tout à fait innocent, parce qu'en fait, il n'avait rien fait, mais avec la pression de la police, l'affaire judiciaire, la presse, machin et tout, la famille, enfin, c'est très compliqué, le mec a fini par craquer et avouer un crime qu'il n'avait pas fait. Plus tard, on se rend compte qu'il n'avait rien à voir avec cette histoire, il a été relâché. De fait, je pense que ce serait beaucoup plus juste dans ce sens-là, parce qu'au moins, tu ne prends pas le risque de buter des gens juste pour satisfaire finalement bah voilà la colère légitime des victimes et des gens qui sont choqués par tout ça, mais en même temps prendre le risque de créer une société assez injuste. Et comme je disais tout à l'heure quoi, je veux dire, moi demain pourquoi on condamnerait pas mon cousin qui a mis un doigt à ma cousine alors que voilà on a condamné Marc Dutroux? Bah moi je suis désolé, je veux qu'il canne, tu vois. Dans ce cas-là, le sentiment serait tout à fait légitime de dire je veux qu'il canne. Et dans ce cas-là, n'importe qui subirait n'importe quel voilà, comme disait Cécile tout à l'heure, voilà, un viol ou je sais pas, bah certains diraient bah non, c'est pas légitime de tuer quelqu'un pour ça. Moi je suis désolé, ma femme se fait veiller devant moi. Si, je veux qu'il canne. Tu vois, moi, je suis désolé, je veux que ma justice dans ce cas-là, si les autres cannent, je veux aussi qu'ils cannent. Et c'est ça le problème aussi de ça. C'est-à-dire qu'on, dans ce cas-là, on va vers une justice qui est de plus en plus dangereuse et du coup, moi, j'allais dire sauvage carrément, quoi. Mais ça, c'est mon point de vue. En fait, si je t'ai parlé de balance. Est-ce qu'on peut faire preuve d'un peu de galanterie, laisser parler Myriam qui attend depuis un quart d'heure, s'il vous plaît? Ouais, merci, voilà. Bah ouais, les gars, c'est pas cool. Hein. Mais bonjour. Et moi depuis un petit 5 minutes, mais c'est pas grave, la galanterie. Bah, il y a aussi, ouais. Ils sont bavardes. Honneur aux dames, Clark, après c'est à toi. Tu es contre le changement de sexe, Clark, donc. Contre le changement de sexe. C'est pour toi. Bah, il a le droit. Qu'est-ce qu'il dit, lui? Qu'il me connaît pas? Tu es contre le changement de sexe, vos gueules, les caca là. Les caca de Je pose mon problème, ma façon de voir les choses. Une personne qui a tué,
qui est reconnu formellement avoir tué, on l'a tué. Il y en a un qui a fait ça à mon fils et il se balade tout seul tranquille. Voilà. À savoir qu'il a pris que 6 mois de prison avec sursis. Mon Dieu, quelle horreur. 6 mois ? Oui. Ça, c'est le problème de justice. Et il est libre, le mec. Voilà. Et vous savez pourquoi on en est arrivé là ? Vous savez pourquoi on en est arrivé là ? On en est arrivé là parce qu'il y a des gens comme vous. Ouais, parce qu'il y a des gens comme vous qui passent leur journée à polémiquer. Non, non, mais. Ah, non. C'est sûr. Il y a des gens comme vous qui passent leur journée à polémiquer. Qui malheureusement a des petits. Vois, je pense pas aux victimes. Non, ta gueule, toi, tu me fais chier. Ça fait 15 minutes que tu regardes. Stop, stop, stop. T'es pas du côté des victimes. Tu te mets pas du côté des victimes suffisamment. Et le problème, c'est ça. Moi, je me mettrais toujours du côté des victimes. Et quitte à ce que le criminel subisse de l'injustice. Parce que merci de pas dire ça. C'est pas ce que je viens de dire. Donc, merci de pas dire que je suis pas du côté des victimes. Non, parce que là, ce que tu dis, c'est dégueulasse, John. Donc, merci de pas dire ça. T'es gentil. Je dis que la justice est laxiste en France et n'applique pas les peines comme elles devraient être. Que les mineurs, effectivement, de moins de 16 ans, machin et tout, ne prendront pas des grosses peines si jamais il y a des trucs comme ça. Et que si jamais non, c'est non, vrai, 6 mois, malheureusement. Majeur en plus. Non, d'accord. Majeur okay, avec une petite. Oui, ah oui. Ah, tu vois là. Après, mais ça change rien, Olivier, ce que je suis en train de te dire. Merci. Myriam, mais effectivement, ce que tu dis est dramatique. Dans ce cas-là, laissez parler Myriam, s'il vous plaît. Oui, bah taisez-vous pour pas dire laissez parler Myriam, elle était en train de parler. Bah non, tu m'as coupé, alors dis pas aux autres de se quoi. Ah, il est chiant, lui. Ah, putain, pilier de convoi, de coup. On laisse parler Myriam. Ok, quand les gens ils commencent à parler, reproche pas de couper. Myriam, vas-y, parle, s'il te plaît. Je te dis ce que j'avais à dire. Moi, pour moi, on les pragmatise tous ces criminels et c'est tout. Bon, j'avais une question pour Myriam. Myriam, je vais te poser une question. Si toi, la justice avait pu te donner le choix de te... Ah, c'est pas compliqué. Moi, mon mari, il a dit, si je le vois dans la rue, c'est pareil pour moi, je le tue. C'est pas compliqué. Non, voilà, tu vois. Ouais, donc, non, elle a préféré qu'on lui donne ce choix, par exemple, dans ce cas-là, tu vois. Voilà. Enfin, après, là, madame, excusez-moi, c'est vraiment pas contre vous, mais vu que c'est un cas que vous avez vécu, je pense qu'on va peut-être pas tourner autour de la dame, justement, John. C'est pas non plus. Non, c'est vrai, c'est vrai. Dormuer le couteau. En fait, oui, oui. Alors, c'est pas grave. Non, mais faut juste voir la réalité. Les criminels, après, ils ont vous parlez, en prison. Oui, madame, mais après, voilà. Il n'est pas à la place de famille. Moi, il est à la place de famille. C'est-à-dire que quand tu perds un être cher, la peine de prison à vie, ça n'est pas suffisant parce que la personne, elle, est encore en vie. Bien sûr. Ah, oui, mais ça se complète sur la justice. Deux secondes. Non, mais Cécile, elle a raison, Cécile, parce qu'en plus, on paye, la société paye pour justement c'est même ça. C'est pas une question à la limite de ça, John. C'est que Il y a ça en plus, quand même. C'est un tout. Oui, c'est un tout. John, vous me gonflez. C'est un truc de fou. C'est que pour les familles, à partir du moment où tu as enlevé la vie, la peine la plus juste, c'est effectivement d'enlever aussi la vie de la personne. Et ça, moi, c'est quelque chose que je comprends tout à fait. Parce que effectivement, alors toi, en plus, Myriam, c'est encore pire. Le gars est en liberté, donc c'est double peine pour toi. J'imagine que ça doit être invivable, mais c'est pas suffisant. Prison à vie, quoi. Quand quand 15 bonhommes sont passés sur tes enfants, qu'ils ont prison à vie, s'il rembourse sa dette pour la société, ça peut être une prison. Il paye. Parce que là, en fait, c'est la société qui, même les victimes, en fait, vont payer à travers leurs impôts pour ce mec-là, entre guillemets. Tu vois, là, t'auras les humanistes. C'est insupportable, ça. C'est insupportable. Le mec, il est en prison à vie, il va bouffer, il va avoir des repas pour les fêtes de Noël. Il travaille. Il faut qu'il y ait d'obligation de travail. Évidemment. Mais vous croyez vraiment que les États-Unis donnent des plateaux repas à Noël? Non, c'est pas une question de ça. C'est même lui. Je veux dire, tu as les super max, mais par exemple, prenez le cas, parce qu'aux États-Unis, ils peuvent pas organiser tout le monde. Oui, d'accord, d'accord. Mais prenons des cas, parlons de cas où ça existe. Oui, mais justement, parlons d'un cas où ça existe, aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a le couloir de la mort, parce que déjà, ils peuvent pas pragmatiser tout le monde à la chaîne, parce que c'est trop compliqué, et qu'effectivement, c'est pas aussi simple que ça, c'est difficile à mettre en place, vous doutez bien. De fait, qu'est-ce qu'on fait? On fait des prisons super max qui sont souvent sous-sol, qui sont enterrées, donc il n'y a pas de lumière, les mecs ont de la lumière toute la journée, etc. Ils ont du mal à dormir, c'est un peu d'ailleurs la torture psychologique pour les affaiblir, mais c'est normal, ils sont en prison, c'est une punition. Moi j'ai rien contre ça, il y en a qui sont dans le désert, moi je m'en fous un petit peu de ça, c'est pas le problème. Par contre, derrière ça, vous parlez de peine de mort, mais comment tu l'appliques? Déjà qu'aux États-Unis, ils n'arrivent pas à l'appliquer comme il faut, c'est-à-dire que eux ils disent oui, on va faire de la peine de mort à tour de bras, ils galèrent, il y a des mecs qui attendent 25 ans dans des couloirs. Comment vous faites? C'est ça, moi je me dis, vous imaginez un système où demain on va le faire,
Mais vous vous rendez compte de la tannée déjà juridique que ça représente? Je pense que vous vous rendez pas compte. Aux États-Unis, ils galèrent déjà avec des États qui le légalisent. Vous en avez conscience de ça quand même? C'est-à-dire qu'il y a des mecs qui attendent 25 ans dans un couloir, pas parce qu'ils veulent pas le faire, parce que c'est pas possible de le faire aussi vite que ça. C'est très compliqué. Il y a d'autres gens. Non, c'est bien. Bioclo, mets-moi le criminel de mon fils en face, tu verras que je ne trouverai pas la solution, moi. Je suis bien d'accord, mais est-ce qu'on doit faire la justice comme ça, Myriam? Est-ce qu'on doit présenter à chaque victime de justice, malheureusement. Dans le terme de justice, dans ce cas-là. De justesse par les émotions. Ce n'est pas possible. Ben, je peux te dire que si. Ce n'est pas ça, la justice. Eh ben non, pas du tout criminel, mais là, je me sens. Je comprends parfaitement. Et je serai dans le même cas que toi, Myriam. Je compatis, je comprends. Je serai le premier à vouloir qu'il meure. Il y a une hiérarchie dans la violence, ouin. Puisqu'elle part du principe, la justice, elle fait bien une hiérarchie dans la violence, dans le sexe. Bien sûr. Elle va punir plus quelqu'un qui a torturé une personne avant de la pragmatiser. Elle va pas considérer cette personne au même titre qu'un gars qui va pragmatiser. Oui, la justice. Gars, mais tu donnes pas aux familles le choix de pouvoir aller abattre la personne. Myriam disait ça. Elle disait tu me présentes, je saurais quoi faire. Donc c'est sous-entendu. Voilà. On serait tous dans la décision de justice. Myriam, on voudrait faire pareil, mais c'est pas une justice. Est-ce que tu as fait appel de la décision de justice, Myriam? Non, parce que nous, on est pauvres, on n'a pas les moyens. On s'est laissé faire comme des cons. Mais tu as l'aide juridictionnelle, Myriam. Tu peux continuer. Justement, on l'a eu, l'aide juridictionnelle. Justement, on l'a eu. Ah, franchement, ça me fait vraiment de la peine. Mais en fait, moi, c'est ça. J'ai vraiment l'impression que, en fait, le besoin de la réinstauration de la peine de mort vient vraiment de cette justice laxiste et de ce sentiment d'injustice et d'impunité de la part des gens. Alors que je pense qu'avec un système judiciaire qui fonctionne, qui est carré, qui n'applique pas de la morale. Ouais. Non, il fonctionne pas du tout. Pas là, non, sur ce point, il a raison. Si la justice n'était pas, si on n'avait pas cette sensation, c'est même plus une sensation, puisque il y a quand même des gens qui ont parfois plus de 30 condamnations pour des crimes sexuels. Enfin, c'est pas des crimes, mais en tout cas des multirécidivistes qui ne devraient pas être morts. Ils sont encore dans la nature. À un moment donné, oui, tu te fais violer ta gamine alors que le mec, il a déjà 17 condamnations. T'as envie de flinguer l'État, quoi, carrément. Bien sûr. C'est tout à fait normal, mais ça, je suis d'accord avec toi. C'est légitime d'avoir ça. Si c'était pas aussi laxiste, oui, on n'aurait pas. Je pense qu'on n'aurait pas ces réactions-là, tu vois. Ça, c'est sûr, oui, je suis d'accord. Myriam, surtout courage à toi. Moi, je vais vous laisser. Ouais. En tout cas, franchement, que Dieu te garde et. Mais et ça fait déjà 6 ans, moi, mais ça arrête toujours par veille, hein. Bah oui, je sais pas que c'est bien. Bon. Que Dieu vous bénisse tous. Hein. Merci, Dieu te bénisse aussi. Salut.